ne regardait plus jamais la télé comme avant. Voilà ce qui est pour lui plus qu'une promesse. Avant-première, contrôle du direct et haute définition, de réels bénéfices mais presque des détails pour lui. Il était dit que ce serait lui et il a choisi de se dépasser pour vous offrir le meilleur, de l'innovation ou simplement des programmes. Aujourd'hui, plus le cube se découvre. Bonjour. Pour commencer, nous avons sélectionné 3 albums. Vous pouvez en choisir un quand vous le souhaitez et ainsi, nous continuerons simplement en musique. Nous vous proposons de découvrir ensemble à l'aide de ce menu comment installer plus le cube, comment faire vos premiers pas ou même découvrir ce qu'il peut vous offrir. En plus, je vous propose de commencer par le début, l'installation rapide. Une vidéo pour comprendre l'essentiel en 3 minutes. Pour l'installation rapide, rien de plus simple. Sur votre gauche, il y a une télécommande. Prenez-la et cliquez sur OK. On regarde ensemble comment cela se passe. À tout moment, bien sûr, vous pouvez mettre en pause et revoir un passage précis. Allez-y. Vous avez installé votre parabole sur votre toit et il vous faut maintenant simplement la raccorder à plus le cube. Comme vous le voyez, plus le cube possède 2 entrées satellites. Raccordez votre antenne satellite simplement au connecteur, entrée SAT. Une fois votre décodeur branché à la parabole, il vous faut le relier à votre modem, avec ce câble, le câble Ethernet. Sur plus le cube, vous branchez le câble dans cette prise située juste en dessous des entrées satellites. Sur le modem, vous devez brancher le câble dans une entrée libre appelée Ethernet. Sur la plupart des modems, vous en trouverez 2 ou 4 comme celle-là. Il vous faut maintenant raccorder le décodeur à votre télévision. Vous pouvez bien sûr connecter votre télévision avec une prise Péritel. Mais en faisant cela, vous vous privez de la chance de voir vos programmes en haute définition. Et c'est aussi un réel bénéfice de plus le cube. Alors pour vraiment profiter de la HD, connectez-le avec ce câble que l'on appelle câble HDMI. Sur plus le cube, c'est ici que vous devez le connecter. C'est simple, c'est indiqué. Sur votre téléviseur, la prise HDMI ressemble à cela.